Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui à Disneyland Paris. Ouais, c'est de l'autre. Enfin, ça fait plus d'un mois et demi que nous n'étions pas venus. Ouais. Merci le système de réservation, on adore. De toute façon, on vous emmène avec nous pour cette journée. On va passer une bonne journée, je pense. En plus, il fait super beau, donc ça fait super plaisir. Donc allez, c'est parti. Bon les amis, quel plaisir de retrouver Disneyland Paris, encore plus sous le soleil. Ouais, ça fait du bien. Bon, il faisait beau la dernière fois qu'on est venu, mais là il fait encore plus beau, donc c'est encore mieux. On se balade, voilà, comme à notre habitude. On est parti faire un tour de Fantasyland, on est passé par Adventureland et là on va à Frontierland. Pourquoi pas faire un petit tour de Phantom Manor. Ouais. Tout dépendra du monde parce qu'il y a quand même énormément de monde, pourtant on est un lundi. Bah, regarde, à BTM, il y a du monde. Ouais. Pourtant on est lundi, on s'est dit lundi après le pont il y aura moins de monde. Ah non. Eh ben non, c'est raté, c'est blindé de monde. Mais bon, ça va pas nous empêcher de passer une bonne journée, de profiter. Surtout que normalement si tout va bien, à midi nous mangeons au Walt. Première fois. Première fois pour Elodie, moi j'y suis déjà allé. Mais de toute façon on vous filme ça, ça va être juste top. Bon les amis, pour notre retour à Disneyland Paris, on ne pouvait que faire en première attraction Phantom Manor. Phantom Manor, en plus il n'y a personne, il y a 5 minutes. Bon, je pense que ça vient d'ouvrir, c'est pour ça. C'est pour ça, je pense. Donc, bon, on en profite. On en profite et comme d'habitude, on vous emmène avec nous, bien sûr. Obligatoire Phantom Manor.
famille, quel plaisir de retrouver Phantom Manor. En plus, ouais, petite nouveauté ou grosse nouveauté, les Dome Boogie ont été rembourrés. C'est super agréable. Voilà, notre postérieur remercie Disneyland Paris d'avoir rembourré les Dome Boogie. Après avoir vu le show des 30 ans, toujours aussi bien, toujours une super ambiance, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour dans les boutiques et là, bah, y a rien. Enfin, grosse déception. Il n'y a pas rien de nouveau en fait. Il n'y a rien de nouveau, il y a beaucoup de boutiques vides, il manque des meubles en plein milieu. C'est un petit problème, je pense, niveau du merch à Disneyland Paris, mais bon. Je pense que ça va revenir d'ici peu, mais. Peut-être pour l'été, en tout cas, on croise les doigts et donc là-bas, on attend patiemment notre heure pour aller. Manger Walt, ça arrive très très bientôt pour vous là, c'est dans microsecondes. A few moments later. On sort du Walt American Restaurant, honnêtement. Bah, c'est super bon. C'est super bon, on a trop bien mangé. Voilà, on était avec des copains, ils ont bien mangé aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on a tous à peu près pris des plats différents. Donc honnêtement, c'était vraiment super bon. En entrée, on a pris la tourte au poulet. Ouais, délicieux. Un de nos amis a pris le coslo, la salade de coslo. Elle avait l'air d'être super bonne, les couleurs étaient magnifiques. Soupe de maïs apparemment très très bon. C'est très fort en maïs, on a goûté, ouais. C'est extrêmement fort en maïs, mais très bon. En plat, toi t'as pris le poulet. Le poulet, elle était super bonne. Avec les asperges et le chou. La purée de patates douces.
c'était bon. Et la sauce était délicieuse. Moi j'ai pris le plat de Walt Disney, le chili con carne. Honnêtement, il était très très bon. Ce qui est sympa, c'est c'était Ludie qui nous donne aussi une boîte de conserve. Ouais, c'est avec la sauce, on doit tout renverser avec le riz, la crème et les épices. Honnêtement, c'était super bon. Et on a un ami qui a pris également le poisson. Ouais, qui a beaucoup aimé apparemment. Il a beaucoup aimé avec un peu une sauce au beurre, honnêtement. Ça avait l'air d'être super bon. En tout cas, c'était super bien présenté. Et en dessert, on a pris le cookie géant pour moi, au sirop d'érable et noix de pécan. Un délice. Et moi, la tarte citron meringuée, qui était très très bonne aussi. Un peu revisité et tout, très bon. On a de la chance d'avoir une belle salle en plus, je trouve. Bah ouais, c'est chouette. Adventureland, vraiment bien. En plus, on avait une petite vue sur Main Street. Ouais, donc, sympa. C'était très agréable, très belle salle Adventureland. Bon, on vous a pas filmé les autres salles parce qu'il y avait des gens qui mangeaient. Donc, on a quand même été faire un tour. Et honnêtement, elles sont vraiment très belles. Hein. Mais je pense que Fantasyland est la plus belle. Ouais, je crois aussi. J'aime bien aussi. Après, moi, sur les vues sur le Main Street, j'aime bien quand même. Vue sur Main Street, c'est Frontierland et Discoveryland. Mais je trouve qu'on était bien à Adventureland. Ça nous permet de revenir comme ça et de demander pourquoi pas une autre salle. Ça nous ferait super plaisir. Et ben voilà, on a passé un super moment, on a passé un très bon repas et c'était vraiment top. Malheureusement, on voulait le pins exclusif. Quand on mange au restaurant, il n'y en avait plus. Non. Bon, ça arrive. Ça nous pousse à y retourner comme ça. Ça arrive. Par contre, bon courage pour ceux qui veulent y aller pour les réservations parce qu'on a galéré. Ouais, on l'a depuis le mois de mars. Depuis le 24 mars exactement et nous sommes le 30 mai. Voilà. On a eu de la chance, mais faut pas se décourager. Mais honnêtement, c'était super bon. On vous le conseille vivement. Bon, les amis, après un bon repas, journée terminée pour nous. On va rentrer tranquillement. Voilà, ça faisait plus d'un mois et demi qu'on n'était pas venus. Bah, ça fait du bien parce que bien de revenir. On est content. C'est ça. Ouais. On a revu le show des 30 ans. Ouais. On a mangé au Watt. On était avec les copains, donc. Que demander de plus. C'était vraiment top. Bien sûr, si vous avez des questions autres, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. On y répondra avec grand plaisir, bien sûr, comme à chaque fois. Bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte. Instagram, on y poste du contenu Disney tous les jours dans toutes les news. Donc, ce serait dommage de les louper. Bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien louper. Voilà, ce serait dommage de louper les vidéos quand elles sortent, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup en ce moment. Activez la cloche, au moins vous êtes sûr de le savoir quand il y en a une qui sort. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à laisser un pouce bleu. Un gros pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. Bah voilà, nous on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt à Disneyland Paris pour un nouveau vlog. Ciao.